Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le Seigneur des Anneaux Online, Lord of the Rings Online, l'Otro. Et on va créer un nouveau personnage. On va utiliser notre dernier token, on va dire, pour le personnage. Je pense qu'on va prendre un haut elf. S'il veut bien le sélectionner, parce que là je suis sur homme. Alors j'ai quelques petits soucis, hein, je suis désolé. Alors on a vu. On a vu le chasseur, on a vu le gardien. On a vu le cambrioleur. Le Bernide, on peut pas le voir étant donné que c'est uniquement pour les Bernides. Simplement. Donc, on a le choix entre maître du savoir, gardien des runes, ménestrel. Alors, le maître du savoir, il est en avancée, donc c'est assez compliqué de jouer avec. Je vous avoue, sentinelle, ça me dit rien. C'est en avancée, donc on pourrait prendre un modéré, je pense. Hein. Un gardien des runes, ça me paraît bien. Essaye de... Ouais, un gardien des runes en modéré. C'est un petit peu plus compliqué, certes, mais... pourquoi pas. D'accord, on va se faire ça. Donc, nous allons l'appeler, je sais pas, Darkousité. Darkousité, pourquoi pas. Alors, origine. Alors, franchement, on s'en fout. Ouais, pourquoi pas. Honnêtement, ouais, c'est bien. Condoline, non. Ouais, on va prendre ça. Voilà, c'est fait. Donc, attendez, je vais prendre mon petit cahier. Donc là, on est full. Alors par contre, comme je vous ai dit, hein, hormis Brave Star, les autres sont plutôt voués à disparaître. Hein. C'est pas des personnages que je vais garder, c'est juste histoire de voir. Et putain, je suis en train de me rendre compte que je suis un petit peu chaud. Darkousité. Alors, pourquoi? Pourquoi, du coup, relancer encore un personnage, refaire encore l'histoire, refaire machin et tout ça? C'est que, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Moi, je vous conseille fortement, hein, de créer, défaire. Les personnages, quitte à aller sur un autre serveur pour avoir des options supplémentaires, puisque je vous rappelle que c'est votre compte, hein, votre compte principal, que vous avez créé tout au départ, qui va vous permettre de d'améliorer votre compte et d'acheter tout ce qu'il y a acheté. Donc, n'hésitez pas à le faire pour récupérer un maximum de points SDAO pour justement avoir la possibilité d'acheter les trucs, sachant que vous avez des packs de quêtes et tout ça qui sont à plus de 2000 points SDAO. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des... vous gagnez que 5 à 5 et 10 pièces SDAO. Donc le Seigneur Zen Online. Hein, à l'époque, ça s'appelait des turbines. C'était beaucoup plus facile à dire. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais voilà, ne pas... ouais, n'hésitez pas, quoi.
N'hésitez pas, vous faites un personnage, vous gagnez une trentaine, cinquantaine de machins, vous voyez à peu près le temps que vous voulez faire dessus. Gardez toujours un personnage que vous allez monter jusqu'au maximum pour histoire de quand même de prendre du plaisir un petit peu dans le jeu. Parce que je vous dis honnêtement, hein, il n'y a rien de plaisant à faire ça. À tout le temps recréer une classe, refaire et tout ça. Et puis en même temps, ça vous permet de transférer des objets et des choses à votre compte principal. Par exemple, vous voyez, moi, pour Brave Star, il a malheureusement besoin de bois. Et ben, heureusement que j'ai un forestier dans l'eau qui me permet d'envoyer le bois pour augmenter la menuiserie et ainsi de suite. En fait, pour moi, c'est que ça. In the year 3434 of the Second Age, a great alliance of elves and men assembled in defiance of the Dark Lord's will to conquer all the lands of Middle-earth. The High Elves, the Blessed of Valinor, who suffered the greatest wraths of Sauron and Morgoth the Enemy, now seek to ensure that his evil is forever banished from the world. Ok. Alors, par contre, tu m'expliques pourquoi c'était en anglais. Non, c'est pas censé. Mais... My dearest friend, as Sauron surely knows, the mastery is ours in this battle. Attendez. J'ai dit attendez. Option audio. On s'en fout un peu en vrai, mais ouais non mais c'était là machin, c'est pas grave. Alors ça me fait chier au milieu. Hein. Peut-être un truc qu'ils viennent de rajouter. C'est fort possible. Visite dure, un arium. T'es qui toi? Au roi Gil-galad, ok. Soigne. Allez. Profite pour modifier certaines choses, hein, parce que
Bien avoir toutes les coordonnées. C'est utile hein, par rapport au site que je vous laisse hein, dans la description. Hein. Alors c'est long. Donc on aura le début. Hein. Doutez bien. Là, vous avez vu que les trucs étaient toujours une grosse... Allez, vas-y, laisse-moi passer. Je vais défoncer tout seul, moi. Ah, ça y est, on peut y aller. Allez. Ah ouais. Fidèle, tu vas voir, je vais te défoncer. Bon, t'as un peu beaucoup. Hein. C'est pas moi hein, qui lui fait remettre hein, le feu automatiquement. Hein. On peut les défoncer maintenant ou... Qu'on parle de quoi? With Sauron's demands rejected, we can no longer hold hope that the Gwetherain shall stay their hands in this battle. Je suis niveau 1. Allez, on y va, on va voir ça. Yeah.
Ah merde. Je parle à lui. One of the Gwetherine rode westward and scattered our numbers. But the other, he took Theleron. Aid the wounded in the field, and let us hope that the Alliance shall arrive to drive off the enemy's forces. Tu vas aller où? Qu'est-ce que là? C'est quoi les soldats à l'ouest et machin? Ah, par là, peut-être. Ah oui. Où je dois aller. Bah c'est un petit peu naze ça par contre. Prince Tarakouïd. Où je dois aller là dans l'histoire?
se couvrir de pince. Oh mais quel con. Je suis essayé de continuer. Allez. Oh oh. Ils sont avec. Ah, ils sont contre moi. Ah, ils sont avec moi. D'accord. Prince is fortunate to have survived his father's attack on the Black Gate, but the Gwatharan's words trouble me. Okay. Wow, j'ai vraiment été couillon hein, sur le truc. Hein. Chercher où c'était. Our paths are now divided, dear friend. May the light of the Valar shine upon us. At your service. Or perhaps you are at mine. Thank you.
majestueux, cette machine à pêche. Il est un peu là-bas, je sais pas ce que c'est. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va nous arriver une couille, qu'on va perdre la mémoire, puis on connaîtra plus ce tour de magie. Ça sera trop facile, ça. Your tale troubles me, my friend, for Omroth spoke of a terrible figure that passed with an elf slung across his steed. Oh là là, il y a trop de blabla. Ouais, je pense que c'est un truc qui a été rajouté il y a très peu de temps. C'est fort probable, hein, après. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, petite chose. Est-ce que ça, je peux pas? Panneau d'équilibrage. Yep.
Ouais, genre là. Ça peut le faire. Ça me va. Voilà. Vous êtes un petit bleu. Oups, ça me faisait chier au milieu du... du machin. Alors, elle a un super pouvoir, mais elle n'est pas capable de les guérir. C'est de ouf. If the Witch King has taken Thelaron to the Overlook, we must pass through the Easterling encampment ahead. De toute façon, que je prends aucune expérience depuis tout à l'heure. Allez, on va les défoncer, roi sorcier, ou on va se faire défoncer par roi sorcier. Ah, je peux plus bouger rien. Ah bon. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Et je me réveille soudain dans une maison de hobbit. À trouver des trolls. Ok. Retrait de l'échelonnage de niveau, revenez à votre niveau normal. Ok. Ah ouais, merde, je suis passé à 193. Je me suis dit, putain, j'ai encore mes pouvoirs, c'est ouf. Mais en fait, ah ouais, 4-6. Ok. Ah merde. Bon, et on doit aller voir Elrond. Ok. Oh, sympa. Il est où Elrond. It brings me great joy to see you upon your feet once more, my friend. Ouais, my friend. Allez. Allez. Mais on s'en fout que tu viens ici de temps en temps. Waouh, c'est joli. Ah, d'accord, une statue de toi, t'es content. Ah non, c'est Gil-galad. Gil-galad. Elendil. Bon, vous allez voir que ça hein, dans cet épisode. Alors, je suis désolé, hein, mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? Ah, vas-y, du moonwalk maintenant. Ton 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 ton. Je sais plus où il est le bouton pour marcher. Je sais qu'on l'avait vu l'autre fois. Mais... non, je sais plus c'est quoi. Je te saute sur la table, là. Dépêche-toi. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème de quand vous faites ça. C'est que forcément, vous... malheureusement, vous perdez patience parce que il vous faut tout... vous avez toujours, toujours, toujours l'envie. Et puis, vas-y, mais... On lui dit je m'en balèque frère ou... Ah, Tamsen. Tamsen, c'est là où j'étais, non? Much has changed since we last traveled together from Imladris, my friend.
On regardera après. Ok. Alors, ramasse prudemment, hein, on sait jamais. Hein. Ok. Se foutent de notre gueule. Eladon and Elrohir are to follow an expedition to the ruins of Edthelion, and they shall Alors, see you to Kelandin in the course of their travels. Soit la lame affûtée. 8-13. Oh, Pierre Link. Ben voilà, je choisis ça, mon ami. Bah ouais, hein, tant qu'à faire. Ouais. Attends. Bon, il y a beaucoup de choses. Ok. First one. C'est parti. Ça, déjà, pierre unique. Tac. Ok, ça, c'est fait. Tac. 1. Ah merde, niveau 2. Et pourquoi il m'a dédoublé tout? Où le bordel? Attends. Déjà, ça va aller là. Ensuite. Ça, je peux pas le mettre. La teinture, je m'en tape. Côté de décoration du jardin, jardin mobile. Bah, attends. On va mettre les trucs qui ont rien à voir, qui sont déjà mis en sac 3. Voilà. Alors. Ça. Ça, ils vont à fond dans les armures, tu sais, dans la vitalité, je veux dire. Ça, attends, ça va là, ça va là, ça va là. Ensuite, ça c'est très vieille polière et dans leur truc. Donc j'ai cap ou cap. Tel était plus 2. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Très vieille cap ou très vieille cap? Ah, capuche. Ok. Moi j'aime bien la capuche. On sait jamais. Tac. Ok. De la bouffe. Ça va là. Ensuite. Ça, j'ai pas le niveau. Pourquoi ils veulent que je mette de la peinture? Excusez-moi. Brouh. Alors, objet bonus. Hop, on va faire ça tout de suite. Comme ça, c'est fait.
Alors que ça me fait chier parce que ça va être encore une galère sans nom. Quand même, Mordor Armor. Oh putain, c'est vrai. On va faire ça. Allez hop. Et on n'est pas assez de place. Ah bah oui. Je me suis plein des trucs. Alors, aura de l'arme. Déjà, ça je veux. Alors attends. Hop. On peut faire ça. Ensuite, ça du coup, oui. Merde, comment je fais déjà ? Ça, ça, une, si. Et là, on peut s'amuser. Alors, casque des trois sommets. Je m'en fous, c'est juste aussi une ornementation. Ouais, moi je préfère ce casque là et tout. Tac tac. Attends. Ça. Ensuite. Donc, cap. Ah. Hop. Casque, c'est nous. Épaulière. Tac. Pied. Les poignets. Ça, buste, t'es là. Tac. La cape, c'est mis. Les mains. Tac. Et le pantalon. Oui. Et le pantalon. Il n'y a pas de pantalon. Il se bat sans pantalon, lui. Attends, c'est quoi ça? Ah, merde, c'est ça. Hop, voilà. Voilà, c'est parfait. Hop. Ça c'est fait. Là, vous voyez, on peut le faire pour les différentes tenues. Donc là, ça va me casser les bonbons, forcément. Titre décerné. Fléau du Mordor. Je suis fléau tout court. Là. I am certain Father has told you all about the... Ouais... Laisse mon père tranquille, bordel. Oh, bordel, c'est encore une vidéo d'une heure, hein, sérieux. Ah non, pas là. L'air de Lwin. On est là, sérieux. Nouvelle compétence disponible. Bon. C'est bon, t'as fini. Ok. Action de quête. Vas-y, si tu veux, chasse au poulet, tu me fais pas chier. On va faire vite fait ça, juste histoire de faire Je vous salue. Me tendrez-vous une oreille amicale ?
appart. Que juste vite fait ça, au moins une ou deux quêtes histoire de passer niveau 3. Vous pourriez me rendre un service. Oui, j'ai que ça qu'à foutre. Ah, attendez, hop. Putain, j'ai déjà la notion du point de repère, sérieux. Les lamentations des Eldar sont infinies. Me tendrez-vous une oreille amicale? Et forcément, il m'en manque un. Qui est... Je ne sais pas où. Vous pourriez me rendre un service. J'adore. Ah bah le voilà. Alors, spécialisation requise. Ah ah. Tonnerre solitaire, inflige des dégâts instantanés à courte. Flamme publique, inflige des dégâts de temps à base de compétences de déclenchement. Soutien des alliés. Ouais. Vas-y, on va dire que je kiffe En fait, la question, elle est là. Est-ce que je peux, quand même? Je peux, quand même. C'est bien. Bon à savoir. Je peux mettre dans les autres. Ah, par contre, je peux plus mettre là. D'accord. Vas-y, quoi. Augmente la défense cryptique. Ah, augmente les vêtements de contact électrisant pour plus une seconde. Bah oui. Ok, oui. Alors, okay. Titre décerné. Le prudent. Ah, je suis déjà niveau. Sérieux, je suis déjà niveau 5. Vous savez c'est quoi la quête qui va être donnée là hein. Youhou. Vous savez ce que c'est? C'est instancier. Non. Ok, bon, sur ce, on va s'arrêter là. Donc, vous avez
notre nouveau personnage qui est là. Je sais pas si on peut déjà... Non, c'est à partir de niveau 10, hein, je crois, les métiers. On va juste aller voir vite fait. On va juste aller voir vite fait là avant. Swelled Melon. Ok, passif, compétence déjà disponible. Hop. 75, 60. Tu te fous de ma gueule. 22, 8, 18. Il n'y a pas en dessous de 8. 6, d'accord. 6. Et en passif, il y a... Ok. On va aller vite fait voir les si je peux apprendre déjà les métiers. On ne sait jamais. Restez un peu. Si moi j'accepte tout. Ah bah si, voilà. Donc j'ai une artisanat. J'aime ça, j'aime ça. Megovanen. Maître des guides de l'art. Alors. Ferronnier, prospecteur, tailleur. Non. Tailleur, non. Fabricant d'armes, protection, menuisier, non. Bijoutier, prospecteur, non. Cuisinier, fermier, tailleur, non. Menuisier, forestier, fermier, non. Érudit, fabricant d'armes, fermier. Bah, je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Donc, si je veux faire érudit. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas fait fabricant d'armure. À moins que fabricant d'armes et d'armure, c'est la même chose. Tu vois, là, par exemple, apprendre la vocation bûcheron, c'est totalement lucide. Tu coupes des arbres, tu deviens menuisier et t'es fermier, tu peux faire de la bouffe. Alors certes, c'est dommage que t'aies pas cuisiné en même temps, mais bon. Érudit, fabricant d'armes, fermier. Bonjour à vous, je suis heureux de vous voir. Ok. Suis-la de Mélone. Voulez-vous rester un peu? Maegovanen, auriez-vous un moment à m'accorder? Vous pourriez me rendre un service? Voilà. Bon, on a tout ce qu'il faut. On va s'arrêter dès à présent. Voilà. C'est plutôt pas mal. On a de quoi faire. On a de quoi faire. Érudit Nolis. Ok, on va commencer par l'érudit, je pense. À moins que j'aimerais bien aller à la banque poser toute cette saloperie. C'est bête. Ouvrir votre coffre. Que vous faut-il? Alors là, par contre, on va le faire à l'arrache, hein, d'accord. On va tout poser à l'arrache pour. Oh merde, je peux pas mettre grand chose aussi. Ah non. Attends. Toi, je peux le porter maintenant. Alors déjà ça. Érudit. Ça. Là. Ça. Ici, c'est quoi? Ça, là. Ça, c'est quoi?
Ça me vendra, ça me vendra, 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 vendra. L'alimentation. Voilà. Je crois que je vais arriver vite au niveau des 30. Hein. Il faut dire que ça me fait chier. On va mettre ça là pour le moment. Oui, on met des animaux, c'est pas un problème. Ça, c'est quoi? Ça va là. Et ça va ici. Oui. Ensuite, ça peut aller là-dedans aussi. Là-dedans aussi. Ça, ce sont... Ok, ça c'est des trucs à revendre. On va essayer de mettre ça et ça là. Ça. Ça. Et ça, on va le garder. Alors, d'accord. J'ai plus de place à cause de leur connerie. Voilà. Donc ça c'est quoi? Gardien des grunes. Détection des récoltes. Ok. On va mettre ça là. Ça, on va mettre ça là. Là, on a quoi? Ok. Normalement, j'ai tout bon. Ça, 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 comme ça. Le 1, il est full. Ça, le niveau 5. Niveau 45, niveau 45, niveau 45.
Putain. Ok, ça c'est pour avoir une monture temporaire. 6, ok, on verra ça plus tard. On va mettre ça là et ça ici. Ouais, on va dire ça comme ça. Ok, bref, sur ce, on s'arrête là, une heure encore. J'espère que ça vous a plu, on continuera notre aventure la prochaine fois. Je voulais vraiment faire de l'espace dans le truc, on ira dans un magasin. Non, on va le faire tout de suite. Que puis-je faire pour comme vous? Ça, hop. Hormis ça que je garde, ça que je garde. Ok, tout ça c'est bon. Tout, voilà. Ça fait du bien d'avoir moins de choses. Ça ici. Ça là. Et ça là. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. On s'arrête là, je suis vraiment désolé, ça a pris encore beaucoup de temps. Je voulais vraiment faire le début, qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire. Alors, c'est marrant, hein, on va voir le chien de berger qui va nous suivre tout le temps. Il fait rien, hein, mais bon, c'est marrant. J'espère que ça vous plaît. Découverte hein, pour moi hein, de cette classe là. Hein. Je la connais pas, j'ai toujours fait que des chasseurs, guerriers. Ouais, chasseurs, guerriers, voleurs. C'est toujours ce que je fais. Sauf que bon, parfois je prends le champion, parfois je prends un machin. Ça varie un petit peu. D'ailleurs, attendez, j'ai pas noté. Je vais juste prendre le temps de noter. Donc, c'est un érudit. Érudit, fermier, bon, au moins il pourra envoyer des un petit dark, fermier et fabricant d'armes. Ok, ok. Bon, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît pas mal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.